Ouais, salut les oiseaux, c'est Parano, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures sur BioShock Infinite. On s'est arrêté devant le poteau qu'on n'a pas voulu... j'ai pas voulu tuer. Je vous mens pas, j'ai pas voulu le défoncer. Je pense que les autres s'occuperont de lui. On a réussi à récupérer le dernier tonique. Quoi, le dernier tonique? Le tonique qui nous fera avancer un petit peu. Qui est celui électrique. Carrément, elle rigole même pas, ça les... Ces toniques sont vraiment puissants. Je ferai de mon mieux pour vous approvisionner en cristaux. Merci. Tenez, de l'argent. Merci, c'est bon ça. Par contre, je pense que là, ça n'a plus aucun intérêt que... Voilà, je vais garder ça. Carabine, hein. On va regarder celui-ci pour l'instant. T'inquiète, t'inquiète, t'arrête pas. T'arrête pas pour moi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le coin? Oh, il est super puissant ce truc. C'est un truc de fou. Ah, ça t'a choqué? Booker, je vois bien que ce qu'a dit Slate vous tracasse. Vous m'avez montré qu'il faut parfois se donner les moyens de survivre. Il y a ceux qui survivent, et ceux qui prennent plaisir à le faire. Booker... Écoute, tu m'as l'air d'être quelqu'un de bien, mais il vaut mieux que t'en saches pas trop sur moi. Le moins possible. C'est bon, on est passé. Bon, maintenant, où doit-on aller? Retourner au moment où alimenter la nacelle. Ok. Ok. Putain, quel jeu les oiseaux, mais quel jeu. J'espère que vous prendrez un plaisir monstre à regarder ce let's play, parce que moi, franchement, je kiffe à mort. Allez, c'est parti. Ils sont tous lagueurs. Ils sont où? Recharge, 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 recharge. Oh fuck. J'ai aimé le headshot. C'est bon, ils arrivent. Je veux surtout pas qu'il approche Elisabeth. Il est ouf. Dans le dos, mon pote. Vas-y. Je sais pas ce que c'est, putain, j'aurais dû le faire après, avant. Putain, ça avait l'air d'être une tourelle. Quel con. Moi, j'en apprends en même temps que vous, hein, donc m'en voulez pas si j'envoie les choses. Au final, j'essaierai plutôt de le faire un peu plus tôt la prochaine fois. Comme d'hab, je vais aller vider un petit peu les cadavres. Je vais essayer de pas trop parler fort. Et il a plus la tête. Pardon. Excusez-moi, mademoiselle. Une pomme, c'est trop important. Allez. D'accord. Ah,
Oh fuck, mais il meurt pas. Il va me défoncer. Tenez, soignez-vous. Prenez ça. C'est parfait. Et j'ai fait n'importe quoi. Mais bon, en fait, j'étais en panique, j'ai fait n'importe quoi, c'est normal. Mais vous allez mourir. Pas tout de suite. Je t'en prie. Partenariat. Ok, carrément. Oh, c'est dingue. Oh. Et les succès, ça y va, wesh. À peine faites une action, il y a succès, succès. Voilà, le poteau il est avec moi. Là, c'est par là d'où je viens. Écoutez, une ganache, mon pote. J'espère qu'il va pas se retourner avec moi après. Ou retourner contre moi. Je dis des trucs, des fois, c'est bizarre. Hein. J'avoue, même moi, dès que. Je me dis, wesh, t'as osé dire ça ou quoi? Uniquement pour prendre ça, vous avez vu le dalleux quoi. Donc je suis full. On va redescendre. Oh fuck. Putain, heureusement que ça se passe comme ça hein. Quand on meurt, deux fois je suis mort comme ça quoi. Je suis mort connement. Et carrément, le jeu il a carrément arrêté de tourner pendant 4 secondes. Eh, c'est trop. Oh, franchement, c'est trop. Je rigolais quand X me disait que le jeu était mal optimisé. Mais là, c'est abusé, quoi. Oh, regardez ça, je peux plus jouer. C'est juste hallucinant. Oh, et les oiseaux, je vous jure que j'ai baissé tous les trucs et tout. Putain, en plus je gueule comme un connard, quoi. Ah, mais ça me fait halluciner, quoi. Monsieur DeWitt, moi, c'est Booker. Je ferai un effort pour essayer d'y penser. Booker. Et qu'on arrêtera de se faire tirer dessus. Si ça vous intéresse, j'ai repéré du matériel par là-bas. Par là? T'as repéré quoi toi? Pour votre sécurité, nos produits sont testés sur des prisonniers. Eh, ça saoule. T'as repéré rien du tout Je suis déjà passé par là. On n'a pas réussi à trouver le codex pour ça alors. J'ai oublié 2-3 petites merdes. Sinon on était passé par là. Sauvegarde carrément. Ah fuck, comment je remonte? Ah, c'est peut-être parce que c'était pas là. C'était par là. Excusez-moi. Ça y est, je déraille. C'est juste que ça me fait péter les plans de voir le jeu qui bug comme ça. Alors que genre j'ai le truc optimal, j'ai le PC, il est... L'anarchie est à l'autre côté. Quoi ce délire? Attendez. Non mais tu sais quoi, je vais pas le... Oh fuck, j'ai manqué. Oh. Viens là, viens là, viens là, viens là. Sérieux, tu me donnes des munitions pour du pistolet? C'est pas des pistolets, des munitions pour du pistolet qu'il me faut là, gros. C'est l'artillerie lourde, gros.
The Flag of the States. Ah, c'est... Je comprends pas vraiment comment tu fais ce que tu fais, là, ces failles. J'ai toujours imaginé que c'était des portes. Quand j'étais plus jeune, je ne faisais pas que les ouvrir. Je les créais à partir de rien. Tu les créais ? Je pouvais me promener partout. Mais j'avais toujours besoin de revenir. Pourquoi ? Je sais pas. Pour ma famille, peut-être. Mais comment tu fais ça, exactement ? Vous vous souvenez, je vous ai dit que je lisais beaucoup. Eh bien, j'ai essayé de comprendre. J'ai lu des livres sur la physique et ce genre de choses. Ah ouais ? Et t'as appris quoi, au juste ? Qu'il y a un océan entre ce que nous voyons et la réalité. Ok. Il me fait lire littéralement flipper, là. Mais c'est vrai, en plus, ce qu'elle dit, hein. J'espère que ça serait un peu mieux, là. On est reparti. Qu'est-ce que c'est ? Abri. Pourquoi créer un abri ici ? Patriote motorisé. Ah merde, quel con. La nacelle arrive. Il va t'abandonner, ma pauvre Elisabeth. Quand il aura ce qu'il veut, il partira sans toi. Tu t'attendais à quoi de la part d'un menteur et d'un tueur de femmes ? Stock. Père, Ropet, qui que vous soyez, je m'en vais, et vous ne pourrez rien faire pour m'arrêter. Oh, ma chère enfant, comme tu te trompes. Ok, c'est parti, ça va être le... J'ai vu qu'il y avait un abri là-bas. Donc on va aller là. Je pense qu'on va se mettre ici. Putain, mais c'est quoi qu'il faut détruire là? Il faut défoncer ça, c'est sérieux? C'est un truc de fou qu'il fout là. What the fuck, mon gars, c'est quoi ce délire? Oh, plus d'abri, plus d'abri, plus d'abri. Obligé de sauter, hein. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il a bugué. Il a fait tout chelou. Ok. Attendez, j'arrive, les oiseaux. Ah. Je joue pas assez avec ce truc et c'est, ça peut être super super efficace. Frère, me mettre la misère là. Elisabeth, elle est où là? Vas-y. Mec, il me met une balle, je suis mort. Une balle, je suis mort. Oh, c'est bon, il se focalise sur lui, vite, vite, vite. De la santé. Je peux pas sauter. C'est bon ça.
Ils sont par où? Ils sont par là. Ok. Hello, ta queue. Je peux pas sauter là-bas. Fuck. D'accord, c'est carrément un gros bidule de fou, quoi. Ok, ok, ok. Je t'ai vu, mon gars. Bon, elle est où, Elisabeth? Non, non, je me suis pas enfui. Donc là, pour l'avoir, avec les armes que j'ai, avec le truc que j'ai, ça va être chaud de night, chaud de baby. Fuck, je le savais, fuck. Elle te réanime comme ça? Il se passe quoi? D'accord, elle te réanime comme ça. Oh, hallucinant. Bon, mais première mort du jeu, les oiseaux. Merci. Tu me fais plaisir quand tu fais des trucs comme ça. Elle est où la nacelle? Vite, 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 vite. En combat, impossible. Mais fuck, je croyais qu'il fallait qu'on y aille. Saute, bordel, saute! Ça va, j'ai compris, j'arrive. Vas-y! Il est où? Oh, à côté de la tête, quoi. T'aimes ça ou pas? T'as le truc? Putain, c'est chaud. Recharge, mon gars, sûr. Défonce-le. Bon, elle a plus rien dans le stock. Ok. C'est vraiment pas évident. Je peux vous assurer que là, franchement, en plein saut, à faire des trucs et tout, c'est super chaud à gérer. Je vais récupérer mon lance-roquette. Et le dernier, il est sur le... C'est bon, je t'ai eu. On dirait qu'ils sont morts. Donc ça n'a pas été du gâteau. Et on s'en est tiré. Fuck, quoi. Fuck, faut réussir à bien utiliser les plasmides et tout ça. C'est dingue. Franchement, c'est dingue. Super. J'ai bien aimé, hein. Franchement, j'ai bien aimé, mais c'est super chaud à gérer. J'ai trop paniqué la première fois. C'est pour ça que je suis mort comme une dinde. Et j'ai bien aimé le coup de... Réveille-toi! Vous répétiez le nom d'une femme. Anna. J'ai pas envie de parler de ça. Désolée. C'était indiscret. D'où venez-vous, monsieur DeWitt? New York. Qu'est-ce que vous y faisiez? Un peu la même chose. C'est pas le genre de truc qui fait vraiment joli sur un CV. On peut dire que vous êtes arrivé au bon moment. Comment tu crois que je suis arrivé là? Je jouais. Alors je dois de l'argent à des gens pas vraiment fréquentables. Je suis là pour payer mes dettes. Pourquoi tu crois que je suis venu te libérer? Par pure charité. Qui vous envoie? Quelqu'un prêt à effacer mes dettes. Pour mettre la main sur toi. Ok, ça rigole même plus. Il a dit carrément ce qu'il pensait, ce qu'il faisait ici, pourquoi il était là, etc. Elle parle plus là. Elisabeth. Heureusement qu'il est surpuissant ce plasmide, ce tonique, putain de merde.
Tu parles plus? Tu muettes? L'histoire en tout cas elle me fait kiffer grave. Carabine, allez pourquoi pas. C'est super efficace. Et ça fait beaucoup mal. Quand on s'est visé bien sûr hein. Franchement ça fait trop mal aux yeux quand tu essaies de viser comme ça. T'es mort? Ok je crois que... J'ai deux langues visées la tête mais c'est trop chaud. Eh ouais, je sais que j'aime pas trop ça quand je fais ça. Je suis obligé. Vous avez vu, on dirait qu'elle... Elle réagit. Quand je tue les mecs et tout, elle réagit, c'est bizarre. Hein. C'est là tous les petits détails du jeu, franchement, c'est ça qui est kiffant. Elle est là avec nous, elle fait... chargeur amélioré. 800 quand même. Ouais, vas-y, on va le prendre. On va le prendre parce que je sens que vers la fin, je vais devoir en abuser des grosses armes comme ça. Donc c'est pas grave, je me ruine. J'ai pas envie. Donc tout ce qui est petite sœur et tout ça, c'était comme si on était un protecteur en vrai. Hein. Bon, un protecteur c'est pas pareil, hein, ça a rien à voir. Mais dans un sens, regardez genre, elle montre qu'il y a un fusil à pompe et tout là, c'est stylé. Dans ce sens, c'est ce qu'on est, hein, en vérité. On est plus un garde du corps là. Ouais, c'est ça, un protecteur quoi. Le mec se contredit tout le temps. D'accord, elle est belle et bien morte. Madame Comstock. Et votre sacrifice. Alors, il s'est sacrifié. Chelou. Elle s'est sacrifiée. Allez, fais-moi sortir encore un truc du panneau. Donc, il vous appelle le faux berger. Et toi, l'agneau? Je n'aime pas vraiment ces noms. Moi non plus. Comment pouvait-il savoir que vous alliez venir? Soit ils ont un prophète dans leur rang. Ha ha. Soit on doit ces affiches à mes employeurs. Pourquoi? Aucune idée. Garder ça comme ça, j'ai un petit peu augmenté. On va augmenter un petit peu parce que là ça devient dramatique. Je me sens déjà mieux. Prenez ça. Ah, on me prend trop pour un clochard, je vous jure. Donc ça y est, on y est. Donc que va-t-il se passer? Ça, je crois que c'est putain, c'est pas ça le truc qu'appelle l'oiseau là. Quitter la zone, évidemment. Tu vas bien? Je veux visiter Paris. Je veux tout voir. Tout. Ma foi, ça dépend que de toi. Personne... Hé hey, qu'est-ce que c'est? 40 degrés nord, 74 degrés ouest. C'est pas Paris, c'est New York. Comment tu sais ça? Dans ma tour, je n'ai jamais manqué de temps, monsieur DeWitt. Du temps pour étudier la géographie. J'avais des dettes. Et puis ce type... Il m'a proposé de tout effacer si je t'amenais à lui. Allez, c'est... T'as mis ce qui me fait de la peine, quoi. Allez, tout va bien se passer. S'il te plaît, regarde-moi. Parle-moi, on peut sûrement... Ok, mis un coup de clair molette dans la bouche, les oiseaux. C'est ça, les femmes, faut pas les énerver, hein. Elle m'a amené où là? J'espère qu'elle m'a pas ramené devant son padre.
Parce que je vais devoir payer là. C'est donc toi, ce faux berger, qui fait autant parler de lui. Tu as semé le chaos à la tombola. Daisy Fitzroy ? C'est bien moi. J'ai rien contre vous, ou votre Vox Populi. Mais vous essayez de me prendre mon dirigeable, et j'en ai particulièrement besoin. Ah oui ? J'aurais pourtant juré que c'était celui de Comstock. Écoutez, j'ai pas envie de me battre. Tout le monde se bat, DeWitt. La seule question, c'est... pour qui tu te bats ? Comstock est le dieu de l'homme blanc, de l'homme riche, de l'homme impitoyable. Mais si ta foi va au peuple, rejoins donc la Vox Populi. Si elle va aux causes justes, rejoins la Vox Populi. Je veux mon dirigeable. La Vox Populi te le rendra. Mais d'abord, tu dois nous aider. Il y a un armurier à Finton qui peut fournir du matériel à notre cause. Va chercher nos armes et nous te rendrons ton dirigeable. Il faut mieux trouver Elisabeth avant qu'elle file d'ici. Putain, c'est vraiment des chacals, y'a tout le monde qui m'éjecte à chaque fois là. Je sens mauvais ou quoi? Bon écoutez les oiseaux, je pense que on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais pas vous mentir. Ce jeu est comme... Je préfère attendre les sauvegardes pour quitter le jeu. Parce que à chaque fois que je continue en fait à jouer un petit peu, je me retrouve entre deux sauvegardes. Et donc à chaque fois je me retrouve le cul entre deux chaises. Et ça m'énerve, je dois soit faire des vidéos trop longues, soit trop courtes. Là on s'arrive, on est presque à une demi-heure. Donc je pense qu'on va arrêter ici pour aujourd'hui. Vous vous rendez compte, je me justifie pourquoi j'arrête la vidéo une demi-heure. Trollolol. Bon écoutez, j'espère que cette aventure vous plaît toujours autant. Moi je kiffe à mort comme d'habitude, comme tous les épisodes. J'espère qu'on se retrouve bien bientôt pour la suite. Et puis je vous dis prenez soin de vous et à bientôt sur la Noctu les oiseaux. C'était Parano. Allez, peace.